Honorable président du Sénat, honorable président de l'Assemblée nationale, honorables députés et sénateurs, monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, excellences, monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, mesdames et messieurs les présidents de jeunesse de l'Union africaine, monsieur le président du Conseil national de la jeunesse, mesdames et messieurs les membres du Conseil national de la jeunesse, mesdames et messieurs distingués invités, chers jeunes, je suis particulièrement honoré de répondre ce jour à cette invitation que vous avez daigné me lancer à l'occasion de la clôture du mois de la jeunesse africaine pour partager avec l'ensemble des organisations représentatives de la jeunesse de notre pays quelques réflexions sur le rôle et les défis de cette dernière face au contexte particulier qui caractérise notre pays à l'heure actuelle, moment où le soutien et l'adhésion de la jeunesse, poumon démographique de notre nation, se veut crucial. En effet, en ce moment particulier où je m'adresse à vous, chers jeunes, notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, est victime, comme vous le savez, d'une agression lui infligée par l'un de ses voisins, à savoir le Rwanda, sous couvert du groupe terroriste dénommé M23, qui sème la terreur dans plusieurs localités du Nord Kivu. Comme vous pouvez vous y attendre, de nombreux déplacés ainsi que de nombreuses victimes sont à déplorer. À cet égard, je nous invite à observer un moment de recueillement en mémoire de ceux injustement disparus. Je vous remercie. Distingués invités, chers jeunes, ce moment étant crucial pour la stabilité et la cohésion de la nation, j'ai fait appel à vous dans mon adresse à la nation du 3 novembre dernier pour constituer des groupes de vigilance en vue d'appuyer, d'accompagner et de soutenir nos forces de défense et de sécurité dans l'accomplissement de leur noble mission, celle plutôt de défendre l'intégrité de notre territoire et de protéger nos populations. L'histoire de notre pays comme celle de l'humanité et de la vie des nations nous renseigne qu'aucun pays ne peut être déstabilisé lorsque sa jeunesse est vaillante, dynamique, alerte et proactive. Je disais donc que l'histoire de notre pays, comme celle de l'humanité
et de la vie des nations nous renseigne qu'aucun pays ne peut être déstabilisé lorsque sa jeunesse est vaillante, dynamique, alerte et proactive par rapport aux événements qu'elle perçoit comme des défis majeurs liés à son existence et à celle de la nation à laquelle elle s'identifie. La jeunesse est et a toujours été la première ressource, si ce n'est la force motrice de toute action posée dans la vie d'une nation. Cette réalité est suffisamment documentée et reflétée dans l'histoire de notre pays. Enfin, notre jeunesse, à qui nous voulons accorder toute la reconnaissance qu'elle mérite, a toujours été à la manœuvre des grands changements qui ont marqué l'histoire de notre pays. De la lutte contre la colonisation à la dérive dictatoriale post-coloniale ou à la deuxième guerre d'agression menée par le RCD Goma en 1998, notre jeunesse a toujours su défendre au prix de grands sacrifices les idéaux de liberté, d'égalité des nations, ainsi que notre quête pour plus de démocratie. Aujourd'hui encore, cette même jeunesse porte haut l'étendard de notre chère nation dans les différents théâtres des opérations qui opposent nos vaillantes forces de défense et de sécurité aux ennemis de la paix, de la stabilité et de la prospérité. Distingués invités, chers jeunes, au-delà de cette reconnaissance historique de vos actions héroïques dans le cours de notre histoire politique, force est de reconnaître que vous constituez également un énorme potentiel pour le développement socio-économique de notre nation, notamment en termes de dividendes démographiques. Cependant, je suis conscient qu'à la suite d'un faible taux d'investissement dans les secteurs de l'éducation et de l'emploi, vous vous heurtez à des contraintes fortes d'accès aux droits et aux ressources, tant économiques, sociales, culturelles que politiques. Depuis des décennies, des engagements politiques volontaristes ont été pris à votre encontre, mais ceux-ci demeurent insuffisants. La question de votre avenir et de l'ambition qu'on y accorde reste toujours posée. Vous êtes des acteurs du changement. Nous devons apporter des réponses pertinentes à vos aspirations légitimes. Dans mon discours sur l'état de la nation du 13 décembre 2019, devant les deux chambres du Parlement réunies en Congrès, je m'exprimais en ces termes à propos de la jeunesse. Je cite, « Je connais les jeunes de mon pays, je connais leurs besoins et leurs difficultés. Je disais, je connais les jeunes de mon pays, je connais leurs besoins et leurs difficultés. Je leur parle à tout moment. Nos jeunes veulent étudier dans les meilleures conditions. Nos jeunes veulent avoir accès à l'emploi. » Fin de citation. Partant de ce constat, ma vision politique de promotion de la jeunesse par l'éducation
et l'emploi a toujours été d'associer la jeunesse à la gouvernance de notre pays et à la responsabiliser dans son processus de développement. Pour ce faire, il est impérieux de mettre en œuvre des modalités pratiques pour assurer la participation effective des jeunes aux décisions et aux évolutions des structures économiques, sociales, politiques et environnementales. Les récentes nominations effectuées dans les entreprises et autres administrations publiques, ainsi que dans la territoriale, témoignent de cette ferme volonté de faire de cette jeunesse le levier du développement de la République démocratique du Congo. C'est également dans ce sens que je vous encourage vivement, chers jeunes, à participer massivement aux prochaines élections, non seulement c'est également dans ce sens, disais-je. C'est également dans ce sens. Voilà. Merci. Alors, je disais que c'est également dans ce sens que je vous encourage vivement, chers jeunes, à participer massivement aux prochaines élections, non seulement comme électeurs, mais aussi et surtout à vous présenter afin d'imposer un regard avant-gardiste et d'insuffler un vent nouveau, empreint de responsabilité et de redevabilité vis-à-vis de nos populations dans l'appréhension de nos défis sociétaux ainsi que dans la gestion de la chose publique. Distingués invités, chers jeunes, au registre des défis auxquels sont confrontés notre jeunesse, vis-à-vis du contexte particulier qui caractérise notre pays à l'heure actuelle, j'en relève particulièrement deux. Le premier concerne l'éradication du fléau de la haine et du tribalisme. En effet, les velléités tribalistes réduisent la République démocratique du Congo dans une vision parcellaire et non celle de l'ensemble des 26 provinces. Derrière le discours et les actes de tribalisme se cachent des limites managériales qui amenuisent le rêve d'un Congo unifié et prospère. Le tribalisme étrangle notre pays. La faute à une poignée d'individus qui n'entrevoient la vie en collectivité qu'à travers le prisme et le réel étroit d'un petit groupe au détriment de la diversité et du plus grand nombre. Le tribalisme prend de la place et gangrène peu à peu nos sociétés grâce à tous ces dirigeants qui refusent de respecter les lois qui régissent le vivre ensemble. Ce fléau prospère malheureusement en République démocratique du Congo par manque d'actes concrets qui viendraient l'étouffer et nous sortir de cette acceptation passive et tacite de ce cancer. Aussi,
je vous convie à vivre le rêve d'un Congo appelé à devenir fort parce que ses fils et ses filles sont habités par le seul objectif de travailler à sa prospérité. Et je vous exhorte de parler désormais de tout ce qui vous rapproche à la place de parler de tout ce qui vous divise. Le deuxième défi à relever concerne l'émergence d'une jeunesse résiliente et engagée qui participe au développement de la République démocratique du Congo à travers différentes activités incluant, entre autres, l'entrepreneuriat, l'innovation, l'accroissement du civisme, les valeurs citoyennes et la promotion de la bonne gouvernance. Pris sous cet angle, les pouvoirs publics devraient promouvoir la participation citoyenne de la jeunesse à la promotion des valeurs républicaines et de cohésion nationale. Afin de relever ce défi, le gouvernement de la République a déjà entrepris de mettre sur pied des structures telles que le Fonds spécial pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Au-delà de ces mesures, il est impérieux de relancer et équiper les 27 infrastructures des brigades agricoles pour améliorer l'environnement des opportunités de développement d'affaires pour les jeunes dans les maillons des chaînes de valeurs agricoles d'une part et d'autre part.